Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nascoupan. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous sommes chauds. Nous sommes vraiment chauds. Ah! Et nous voulons faire des vidéos extraordinaires. Des lives hors du commun. Mais avant de commencer les lives, nous devons vous dire certaines choses. Vous préparer. Mes frères et sœurs, que pensez-vous du diable et ses démons? Qui sont-ils selon vous? Waouh! Le diable, on le connaît. Et quand on parle du diable et ses démons, c'est une histoire, on veut parler ici. L'histoire de Satan tombé du ciel sur la terre. Et depuis que ce dernier est tombé du ciel et qu'il a atterri sur la terre, les humains sont dans les problèmes. Plus rien ne va. On se pose parfois la question, est-ce que ça va finir un jour? C'est normal. Parce que le diable, qui est l'auteur du péché, il a tout mis en œuvre pour que les humains soient dans la désolation. Et c'est pour la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo, c'est l'information que nous avons reçue hier dans un live. Dans le live précédent, vous pouvez regarder. Une femme a dit qu'auprès d'un chrétien ou d'une personne se trouve un démon. Un démon qui est là spécialement pour observer tous les faits et gestes des uns ou des autres, pour les pousser tout simplement à commettre des choses graves contre qui? Contre leur propre vie. Mais bizarrement, personne ne peut savoir que il y a de telles entités spirituelles là qui sont là. Sinon, ceux que les dieux spirituels voulaient voir. On nous parle des satanistes, on nous parle des sorcelleries, mais ici, nous parlons de Satan et ses démons. Le diable est très organisé. Si vous ne savez pas, nous devons vous dire, les frères et sœurs, que le diable, Satan, il est vraiment très organisé. Au point où il a prisonné des démons pour affecter tous les domaines de notre société. Il y a les démons de la musique, il y a les démons de l'industrie de la pornographie, il y a les démons de l'ivrognerie. Ça veut dire que le diable et ses démons qui sont descendus sur la terre ne sont pas venus ici pour rigoler, excusez-moi. Ils ne sont pas venus sur la terre pour blaguer avec les humains. Ils sont tout simplement venus pour combattre les humains dans tous les sens. Ça veut dire qu'ils vont nous proposer des choses assez compliquées qui seront, je dirais, intoxiquées, infestées d'un témoin puissant ou encore de le même témoin puissant hier. Cette même femme a parlé des dessins animés. Des démons qui possèdent des acteurs sur scène afin que ces derniers puissent mettre en position des dessins animés ou des films pour pouvoir envoûter les gens ou permettre à ce que des démons puissent en sortir pour tout simplement posséder des humains. Ces choses sont assez compliquées à comprendre. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous parler du diable et ses démons. Le diable et ses démons sont bien réels. Mais le problème avec les humains, c'est qu'ils ne les voient pas. Quand on te dit, on te pose la question de savoir même,
Qu'est-ce qu'un film X? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que c'est pas une chose bonne à voir. Parfois, tu vas pour dire que non, c'est interdit aux enfants. Les enfants ne doivent pas voir ça. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu te dis qu'il y a des scènes assez compliquées là-dessus. Et que ce sont des actions, ce sont des choses qu'on ne doit pas produire en fait. Mais les choses qu'on ne doit pas produire que nous voyons là, comme de telles choses, ce sont les œuvres des démons. C'est vrai, tu ne vois pas c'est les démons, mais tu peux voir ces œuvres, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Les œuvres des démons sont bien là. Ce qui montre clairement la présence des démons parmi nous. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'un démon existe? Il est bien réel. Un démon, ce n'est pas un humain. Un démon, il est spirituel. Donc on peut le voir seulement avec le Dieu spirituel. Et ce qui est étrange, ce que le diable, on vous a dit qu'il a organisé. Ce qui est étrange, c'est que dans certaines religions, quand un nouveau homme de Dieu ou encore un nouveau pasteur, soit disant pasteur, je dirais un faux, quand ce faux pasteur va venir s'installer pour dominer ou encore pour régner sur le monde, il y a une religion qui domine toutes les religions en ce moment-là. Cherchez, vous allez trouver. Là-bas, quand un nouveau pasteur ou encore un nouveau homme de Dieu, ou faux homme de Dieu, voilà, doit venir prendre place ou encore régner. On ajoute le nom, on ajoute souvent deux. On dit tel nom, on dit deux. Tel nom, on dit trois. Voilà, ce sont des titres qu'on leur donne. En fait, ces personnes qui viennent pour tout simplement régner ou encore diriger cette église là en question. Là. Ce sont des personnes choisies par le diable lui-même. Et quand ces personnes-là arrivent, en général, ces personnes-là rencontrent un démon ou le diable lui-même qui leur donne des livres. C'est-à-dire chaque personne qui va venir durant sa période dans ce monde va recevoir un livre avec lequel il va diriger tous les chrétiens ou encore toutes les personnes qui sont dans cette religion-là. On suppose que c'est vous qui êtes nommé au poste de DG, directeur d'entreprise. Et bizarrement, quand vous arrivez là, déjà même pour être nommé là, sachez que c'est le diable lui-même qui va vous choisir. Et dès que vous êtes choisi, le diable vous donne un livre. Et dans ce livre-là, c'est tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez prêcher. En fait, tout, ça veut dire quoi? Que vous êtes manipulé. Ou encore, vous êtes devenu comme une marionnette. Maintenant, le marionnettiste, là, il se trouve où? Il se trouve bel et bien dans un monde, mais dans un monde invisible. C'est un démon. Et c'est même le diable. Tu vois pourquoi l'homme, il est sur la terre ici en train de marcher, mais il est contrôlé depuis le monde des ténèbres. Tout ce qu'il doit dire, tout ce qu'il doit faire, tout est piloté depuis le monde des ténèbres. Parce qu'il y a des démons qui sont là. Il y a le diable qui est là. Et il observe tout sur tout. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui vont même plus loin pour dire que il y a certains musiciens qui ont vendu leur âme au diable qui sont des marionnettes. Parce que ils font exactement, strictement, tout ce que le diable leur demande de faire. On a l'impression qu'il n'existe plus. Et que c'est un démon qui les pilote. Ce faisant, ces derniers-là deviennent comme des robots. Oui. C'est ce qu'on appelle possession démoniaque. Une possession démoniaque. Un être humain qui est possédé par un démon. En fait, tu vois la personne comme ça. Oh, il y a un démon qui est en elle. Et ce démon-là contrôle sa vie. L'observe, l'influence de ses décisions.
On peut dire que c'est ce démon-là lui-même qui est en train d'agir au travers d'elle. Sinon, comment ce serait possible? Et de telles situations, ça arrive. On voit en plénitude de telles situations dans la société. Et imaginez, aujourd'hui on nous dit que les personnes les plus connues ou encore bien placées dans la société sont en relation avec le diable, ou encore connaissent bien le diable. Qui ne connaît pas le diable? Qui ne connaît pas le diable? Tout le monde sait qui il est. Même le Seigneur Jésus, il a rencontré Satan, le diable. Ce jour-là, le diable était venu. Et quand il était arrivé ici, devant Jésus-Christ, il a proposé à Jésus beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il dit que si le Seigneur Jésus-Christ se prosterne et l'adore, lui, il lui donnerait tout. Tout ce qu'il désire. Le pouvoir, le règne, l'argent, la richesse, comme si ça lui a passé, lui qui avait créé ça. Et il se fait passer pour celui-là même qui est censé être le prince de ce monde. Hein? Ce même diable-là, il opère avec ses démons. Et à cause de lui, il y a des choses assez compliquées qui se passent. Des choses assez compliquées. Quand nous vous disons qu'il y a vraiment des choses assez compliquées qui se passent, c'est vrai. On a dit que tu vas entrer dans un endroit pour chercher du boulot. Moi, je te dis, tant que tu n'as pas eu les rapports sociaux avec le patron, tu ne peux pas avoir du travail. Ah! Pour avoir du travail, un seul travail à cause de ça, moi, je dois coucher forcément avec quelqu'un. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est le diable qui est là. Et tu rencontres le diable face à face. Et c'est le diable qui te demande de passer par l'état d'initiation. Tu dois être initié ou encore accepter de coucher avec ce dernier pour qu'un démon puisse tout simplement entrer en toi. Et dans le même témoignage, dans les témoignages des lives précédents la semaine dernière ou encore dans les vidéos précédentes, vous pouvez découvrir cela. Bien sûr que oui. Ça veut dire que le diable et ces démons qui sont descendus depuis la création des temps, ils opèrent véritablement dans toute la dimension. Ils peuvent même influencer vos comportements. Ils peuvent faire en sorte que vous soyez gentil aujourd'hui. Demain, vous soyez méchant. Ils peuvent faire en sorte que vous soyez content aujourd'hui. Et demain, vous ne l'êtes pas. Et c'est réel. C'est réel. Et cette semaine encore, nous parlerons du diable et ses démons, mais aussi du ciel. De Jésus-Christ et de sa puissance. Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour nous? Nous, les personnes qui avons besoin de lui, nous allons tout vous révéler ici. Et cette vidéo est venue juste pour vous préparer à cela. Vous préparer, nous préparer aux prochaines vidéos. Le diable et ses démons sont bien réels. Il ne faut pas les négliger. Ils ont un pouvoir et il faut apprendre à voir. Jésus-Christ, si vous apprenez à aimer Jésus-Christ, fuit le péché. Ce faisant, vous serez en train de les éliminer de votre vie. Ou encore, affaiblir l'autorité sur vous. Parce que derrière le péché se trouve un démon, ou encore le diable. Éphésiens 6, verset 11, on dit lorsque le sujet. Même nous sommes là pour vous dire qu'il faut être prudent dans cet état. Quand on nous parle du diable, c'est le diable. Il va venir physiquement. Il passera toujours par les yeux des hommes pour se présenter. Et c'est ce que se manifeste au travers des films ou encore des dessins animés occultes. Là, vous pouvez clairement voir qui sont les démons. Cherchez à savoir quels sont les signes sataniques, comment on les reconnaît, et vous allez en savoir plus. Vous avez juste un aperçu de ce qui se passe clairement dans ce monde avec le chat et ses démons. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonnement de cette vidéo. Et soyez prêts, nous entrons en action pour la prochaine vidéo. Le prochain live, ça va être chaud. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.